My name is Ara Al-Jahmani, a postdoc researcher at the Group for Research on Ethnic Relations, Migration and Equality Institute of Sociology in the Free University in Brussels, ULB. My research topic is Syrian women movement on social media. I would like to talk about the reasons why I had to leave the country, which is related to the Syrian woman's situation and the obstacles facing gender and women's studies in Syria. I'm from Al Suwaida, South Syria, a province of Druze population, but I married a man who belongs to another religion, which led me to being cast away from my community, socially and legally, because of the Syrian government attitude to fight the choice of women, of the free choice of women in marriage. And that comes according to the personal status law, Article 306 and 307, which is certified for the minorities through the Syrian regime in return of their political support. This drives the Druze society to see the crime of killing a girl that married of a person from another religion as an honor. So in general, if you read the Syrian personal status law, you will see that the hostility of the Syrian society towards women in choosing to get married or divorced is supported by the Syrian governmental statement. During the Syrian revolution and in the chaos of the war, it became unsafe for me to stay because of many circumstances. Destroying my house by the bombing of Assad rockets, my problems with the government because of me writing a drama series against the corruption that happens in the education institutions, and my activity providing aid to displaced people in shelters. All of that led to me leaving my land. After shedding the light on my personal experience as a woman from Syria, I'm going to talk about the obstacles that gender and women's studies in Syria are facing. The domination of the dictatorial authority supports a patriarchal religious mentality in rejecting any intellectual knowledge regarding gender equality. Assad regime and his intelligence are observing all researches conducted inside Syria, making sure that the outcomes are in line with what they want to announce and present. They pretend to show the world a positive face of his dictatorship. So for example, if a researcher wants to study the widow presentage during the war in Syria, in Latakia or in Tartus, Syrian regime will not accept to sit this kind of research with numbers or to show that 65% of their young men are killed because of pushing them into his war to prevent the Syrian revolution from achieving freedom and democracy. So women's studies conducted in the regime areas would only be accepted if in accordance to Assad's line, and that makes them useless. Maybe that led to having another kind of obstacles, an unwelcoming environment to the gender and women's studies by Syrians, as they are used to Syrian institutions conducting studies and researches to establish or take a previously planned decision. And in case the regime allows researches about women and gender studies, it will be to serve the aim of the government in stating that the society doesn't accept gender equality, and that the recent personal statement law sought the Islamic mentality of the Syrian society. So actually, to take these studies seriously, we need freedom and justice in Syria,
And that will not happen within the dictatorship structure of Assad regime. Bonjour, je suis Maurice Defoe, doctorant à l'Université de Douala au Cameroun et à l'Université libre de Bruxelles. En fait, je mène une étude sur les conditions homonumériques au Cameroun, une production de soi, une construction communautaire sur les réseaux sociaux numériques dans un contexte répressif. Alors, l'objet de cette vidéo, en fait, c'est pour essayer de parler de mon expérience sur les attaques que subissent les études de genre ou alors les études de la sexualité dans le contexte camerounais. Ce que je peux dire, c'est que ces attaques sont d'une violence, mais d'une violence subtile. Subtile pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on peut percevoir dans d'autres contrées, dans d'autres régions dans le monde, où il y a des arrestations policières lors des colloques, où il y a des chercheurs arrêtés manu militari, au Cameroun, la subtilité est quand même de nature à remettre en question la légitimité scientifique et académique des recherches qui sont menées dans ce champ-là. En plus de la précarité qui caractérise la recherche au sud du Sahara, le chercheur qui s'intéresse à l'homosexualité en tant qu'objet d'étude doit s'armer d'une défense redoutable dans le contexte sociopolitique et universitaire qui est homophobe, il faut le dire. Même si les familles, même si dans la réalité les familles, le voisinage, les autorités vivent dans une sorte de déni, ils tolèrent plus ou moins les LGBTI, les associations de défense, les snack bars, qui se réclament gays. Mais les accepter encore, là c'est toute une autre paire de manches. Ainsi, penser l'homosexualité, c'est-à-dire apporter un regard autre, un regard contradictoire, dénué de jugement, dénué d'affect, est par contre alors là mal perçu et très mal toléré. Et dans mon cas, conduire une thèse de doctorat sur l'homosexualité dans ce contexte, c'est un parcours jonché d'obstacles qui s'enchâssent avec un déficit en ressources bibliographiques, ressources financières et même encore ressources humaines. Il paraît a priori quasi insurmontable lorsqu'il ne se présente à vous aucun soutien, ça il faut le dire, aucun soutien en termes d'encadrement, aucun soutien en termes de financement, aucun soutien en termes d'accompagnement, je veux le dire. Dans mon cas précisément, ces obstacles s'érigeaient, ou alors s'érigent toujours, à trois niveaux. C'est riche dans la mesure où je suis entre le Cameroun et Bruxelles. Au niveau, déjà, premier niveau, c'est au niveau de la communauté homosexuelle. Dans la phase de collecte des données, un véritable challenge s'est posé à moi en tant que chercheur vivant au Cameroun et de surcroît un hétérosexuel. Il est vite fait d'être soupçonné d'espion à la solde des autorités ou même un prédateur. Hein. Un prédateur de financement et opportunités que la cause homosexuelle pourrait générer. Le processus de collecte et les données étaient alors biaisés dès lors que les entretiens passaient pour de l'espionnage et ma présence lors des causeries éducatives LGBTI passer pour de l'intrusion, c'est ça il faut le dire. Pourtant j'étais auparavant passé par un interrogatoire assidu sur les motivations ou même le promoteur de ce travail de recherche, donc de cette thèse, et les mises en garde que j'ai pu recevoir de la part des responsables des différentes associations que j'ai dû côtoyer à un moment donné pour la collecte de mes données. À côté de cela, à côté de cet obstacle qui visiblement peut être compromettant dans une phase de collecte, dans une phase empirique de la recherche, il y a aussi, à un autre niveau, la réception ou alors la perception que les pairs au niveau de l'université peuvent avoir de votre travail. Alors, si une thèse ou un colloque scientifique peut être accepté, n'est-ce pas, une thèse, un colloque faisant l'apologie, bien sûr,
d'un régime autoritaire longévive, si ça accueillit avec triomphe, il n'en est pas de même pour l'homosexualité, qui reste un objet tabou et stigmatisant. Pour tout chercheur qui voudrait l'étudier, bien sûr. Il est dans les imaginaires, soit lui-même objet de sa recherche, soit sujet des loges secrètes ou d'une culture occidentale décadente. Alors, qu'est-ce que je veux par là dire, en fait? Soit, lorsque vous commencez à mener une recherche sur l'homosexualité, vous êtes perçu vous-même comme un homosexuel, ça c'est la réalité, et vous êtes tout le temps stigmatisé lors des séminaires, lors des colloques au Cameroun. À côté de cela, si vous n'êtes pas perçu comme homosexuel, vous êtes perçu comme celui-là qui a la solde des Européens, des Occidentaux, qui veulent imposer une manière de voir le monde. Et ainsi, la légitimité épistémologique de votre recherche sur le genre se voit donc, d'une certaine manière, remise en cause. Et Dieu seul sait à quel point ça peut être important dans le processus de validation de vos travaux de recherche. Alors, cela ajouté au regard critique des pairs lors des séminaires, ont fortement participé au découragement du chercheur, du jeune chercheur que j'étais. Ça, il faut le dire, j'ai dû me décourager à un moment donné. Est-ce que je prenais la bonne trajectoire en termes de recherche ou pas? Nul n'avait été l'ouverture d'esprit et l'accompagnement de mon encadreur que ce travail n'aurait pas connu d'avancée considérable. Il a fallu formuler le sujet de recherche en ces termes. Une relecture de la notion de stigmate chez Goffman dans les réseaux sociaux numériques au Cameroun. Là, pour que enfin mon inscription en cycle de recherche soit acceptée. Là, vous voyez que dès le titre, l'on ne peut pas percevoir une once d'homosexualité. Les critiques de la famille aussi et de l'entourage sont encore plus coercitives lorsque le chercheur en dépend financièrement, bien sûr. Même si les enjeux d'une thèse sont plus ou moins comprises, reste que le sujet fait de vous, selon eux, un suppôt du diable. J'ai dû, après maintes efforts, renoncer à les convaincre du contraire. In fine, l'un des travaux scientifiques les plus audacieux, réalisés en majorité par les chercheurs camerounais sur la sexualité au Cameroun, postule que l'homosexualité est bonne à penser. L'on est tenté de se poser la question, pour qui? Merci. Bonjour, c'est un honneur pour moi de pouvoir prendre la parole ici à cette conférence. Merci David pour l'invitation. Comme mon français n'est pas en forme, j'ai écrit ce que je voudrais dire et je vais le lire. Pardonnez-moi. Je travaille au bureau de Budapest de la Fondation politique social-démocrate allemande Friedrich Ebert Stiftung. Depuis 6 ans, je suis responsable pour le programme Égalité des genres en Europe centrale et orientale. Dans la position qui est la mienne, je fais partie des débats hongrois sur le genre et sur les droits des femmes. Bref, pour certains, je suis une des idéologues du genre en Hongrie. En même temps, je poursuis mes études au doctorat en sciences politiques à l'université ELTE de Budapest sur ces mouvements transnationaux qui se mobilisent contre ce qu'il appelle l'idéologie du genre. Je décris le phénomène comme une des facettes d'une crise politique plus large, allant au-delà des conflits de valeurs, égalité ou inégalité, de progrès ou de retard. Mais ce qui m'a été demandé pour aujourd'hui, ce n'était pas de présenter mes propres recherches en quelques minutes, hélas, mais de vous offrir un instantané sur les mobilisations contre les études de genre dans le contexte hongrois. J'ai 5 points pour vous présenter. Le premier. Contrairement à la plupart des pays où de telles mobilisations étaient soit grassroots, soit religieuses déguisées comme grassroots, en Hongrie, c'est le gouvernement qui a lancé une campagne contre l'idéologie du genre. Le gouvernement de la coalition de Fidesz et des chrétiens démocrates est au pouvoir depuis 2010 et aujourd'hui
vu les sondages actuels, le scénario le plus probable est qu'il continuera à gouverner après les élections du 8 avril en disposant d'une majorité absolue ou d'une majorité des deux tiers. Fidesz a effectué une restructuration massive de l'État au cours des 8 dernières années, comme vous le savez tous. Faute de temps, je ne peux pas faire une réflexion là-dessus. Depuis le début de son règne, le gouvernement de Viktor Orban mène et maintient une lutte pour la liberté contre de différentes puissances présentées comme étrangères, par exemple l'Union européenne ou depuis quelques jours l'ONU. En outre, l'offre des images ennemies est utilisée comme stratégie de mobilisation, surtout dans les époques où la popularité gouvernementale semble s'estomper. Dans ce cadre-là, depuis 2015, la menace migratoire a dominé le discours. Des panneaux publicitaires envahissaient le pays, les consultations nationales, organisées par la voie postale, remplies de questions manipulatrices, rappelaient les gens qu'ils sont menacés de partout. Mais aucune raison de s'inquiéter tant qu'ils supportent le gouvernement les sauvera. Une fois que la menace migratoire s'estompe, un nouvel ennemi est créé, George Soros, le milliardaire et homme d'affaires d'origine hongroise. Il est évident que le réseau Open Society peut être critiqué pour de nombreuses raisons. Par exemple, pour avoir influencé l'agenda et le langage utilisé par la société civile dans notre région. Mais ce qui s'est passé en Hongrie n'était pas une critique légitime, mais une toute autre histoire. Une campagne de communication de haine orchestrée qui combat le prétendu plan Soros, à savoir un plan diabolique pour faire venir des millions de migrants en Europe. Les attaques gouvernementales contre la Central European University et les ONG financées par les fondations de George Soros faisaient partie de cette campagne. C'est le contexte politique nécessaire à connaître pour mieux comprendre les attaques contre les études de genre. Point 2. En Hongrie, par rapport aux autres pays européens, la mobilisation contre l'idéologie de genre a commencé relativement tard. C'est peut-être parce que depuis 2010, il y a un gouvernement conservateur en place, donc aucune législation dite progressiste n'était pas à l'ordre du jour. Rien donc contre quoi des gens seraient descendus dans la rue. Il nous est arrivé de temps en temps que des articles apparaissaient, surtout dans les médias de droite, décryptant les soi-disant menaces de l'idéologie du genre. Par contre, il n'y avait aucune action concentrée et apparente. Nous avons décrit ce phénomène avec Andrea Petteux dans notre article dans le volume excellent, édité par David et Romain Couhard. La campagne concentrée contre l'idéologie de genre n'a commencé qu'en 2017. Il prétendait contre la Convention d'Istanbul et contre le programme Master en études de genre nouvellement créé à l'université ELTE, l'une des deux grandes universités de Budapest. Point 3. Jusqu'à présent, les études de genre furent enseignées uniquement à la Central European University en anglais aux étudiants majoritairement étrangers. Après plusieurs années de préparation, le nouveau programme Master a été accrédité, c'est-à-dire approuvé. L'accréditation à l'Université d'ELTE a été signée des mains du ministre compétent de Fidesz. Et le programme était sur le point de se lancer en septembre 2017. L'inscription pour la nouvelle année scolaire était prévue pour février 2017 et c'est le moment quand une campagne orchestrée a été déclenchée. Les médias de propagande du gouvernement ont commencé à publier des articles contre ce programme de maîtrise. Et l'organisation de jeunesse du Parti chrétien-démocrate a publié une lettre ouverte qui a ensuite été diffusée et qui a vraiment marqué le début de cette campagne. Je cite. « Vous,
La direction de l'université avait décidé de vous occuper d'un sujet de Gengwa, déguisé en science, noyé du politiquement correct, qui n'apporte aucun profit à la société hongroise. Et vous faites cela dans le cadre d'un programme de maîtrise. Nous ne pensons pas que la Hongrie puisse se permettre le luxe de ce que certains pays scandinaves peuvent faire, à savoir réclamer que les choses publiques les plus importantes sont les signes de porte de toilette, ou même créer plus de jouets et manuels scolaires dits neutres pour éviter que les petites filles et garçons ne soient pas influencés en ce qui concerne leur appartenance à leur sexe. Disons très clairement, il existe des sexes biologiques, les sexes ne sont pas d'une nature sociale, donc la dénomination du programme master déjà est trompeuse et fausse. Fin de citation. Point 3. Au cours des mois de cette campagne médiatique, il n'y avait aucun engagement avec le contenu du curriculum des études de genre, études queer. Parfois, ils ont copié les titres des cours enseignés dans le curriculum, soit ceux à ELTE, soit ceux à Central European University, pour démontrer où cela va nous mener. Ce dont les études de genre sont accusées dans le contexte hongrois, dans les médias de propagande, c'est qu'elles veulent répondre le type d'activisme de justice sociale qui est le plus connu dans le Royaume-Uni et les États-Unis, notamment la politique identitaire, le politiquement correct, les identités de genre non binaires, la transition des enfants, le phénomène de safe space et les appellations ou les phénomènes comme trigger warning, no platforming, cultural appropriation. D'ailleurs, le programme de maîtrise a bien démarré sans aucun problème en septembre 2017, donc l'accréditation n'a pas été annulée. Depuis, aucune attaque sérieuse n'est perceptible ou aucune pression n'est exercée sur l'université. Mais cela peut bien sûr changer n'importe quel jour. Point 5. Les attaques contre les études de genre font partie d'un ensemble plus vaste. Les études de genre sont une chose parmi de nombreuses choses attaquées en même temps. L'intégration de la dimension de genre dans les politiques, gender mainstreaming, les droits reproductifs, les questions LGBT, etc. Dans le contexte hongrois, il s'agissait de la combinaison études de genre et convention d'Istanbul, tout ça dans la campagne réalisée par le gouvernement et au sein de sa campagne de mobilisation contre George Soros. Donc on ne peut pas traiter les attaques contre les études de genre en soi. En plus, je pense qu'il nous faut regarder au-delà de ce qui est attaqué en surface et même au-delà des motivations politiques derrière tel ou tel événement. Pour conclure, je vais proposer ici trois aspects pour la discussion qu'il faudra, à mon avis, considérer. 1. Ce n'est pas seulement la science et les sciences sociales telles que nous les connaissons qui sont sérieusement contestées, mais aussi les négligences des sciences sociales ces dernières décennies à chercher le dialogue avec la société. Cette négligence les a rendus particulièrement vulnérables aux attaques, faute de légitimité sociale. En Hongrie, ce phénomène est particulièrement visible, les activités de la Central European University étant tellement en dehors de la réalité hongroise. 2. Il nous faut sûrement mentionner les tendances réelles liées aux luttes activistes et à l'égalité dans de nombreux pays qui sont contestées. Et elles peuvent être contestées, bien sûr. Beaucoup d'entre elles sont critiquées par les féministes, par les libéraux, par les gauchistes, donc pas seulement par la droite. Ces tendances sont maintenant projetées par la droite à tel ou tel phénomène. C'est le politiquement correct ou les études de genre qui est présenté comme responsable pour tout ça. 3.
La dynamique de pouvoir Est-Ouest. Aussi, les agendas activistes mis au point pour l'égalité, qu'ils soient féministes ou LGBT, souvent ne viennent pas du contexte local, dans notre contexte, du contexte hongrois, mais sont formulés dans des pays du centre, core countries, et voyagent à l'aide du secteur ONG, notamment les activistes professionnels formés à l'étranger et par les fonds étrangers. Ainsi, dans le contexte hongrois ou centre-est européen, la dynamique de pouvoir Est-Ouest joue certainement un rôle où l'hypocrisie des agendas qui se disent proclamer des valeurs progressistes est visible. Ils sont souvent un écran de fumée pour d'autres intérêts, par exemple des intérêts économiques. Et maintenant, c'est la droite s'est mise à faire du capital politique de cela. Je ne suis pas particulièrement fan de ça, vous pouvez l'imaginer, mais je pense que nous devons être autoréflexifs en quelque sorte pour examiner les erreurs commises par la politique et l'activisme progressiste ces dernières années et décennies. Certains disent que quand on est autoréflexif, on capitule déjà, mais je pense que, tout au contraire, c'est une précondition pour pouvoir développer des stratégies efficaces. Merci pour l'invitation et si vous avez des questions, David a mon adresse email. Je vous souhaite une bonne conférence et bon courage. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour David, bonjour Eric. Merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous, même de l'autre côté de la mer, et même si ici il fait chaud. Et je vais parler très vite sur quelques points autour de ce que la droite ici appelle idéologie du genre. Et c'est cette expression, c'est une expression d'accusation. Et bon, même si on ne reconnaît pas cette expression, si on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est l'idéologie de genre. Bon. On a eu un coup d'État ici au Brésil en avril 2016. Et une semaine après le coup d'État, le ministre de l'Éducation a reçu le président d'un mouvement qui s'appelle Escola Sem Partido. Ça veut dire École sans parti, parti comme parti politique. C'est un mouvement qui est maintenant un peu plus fort et c'est un mouvement que, sur l'éducation, au sein de l'éducation, mais peut-être la principale question, je pourrais dire, c'est de régler, d'enlever les discussions sur genre, sexualité de l'école. Il part surtout des écoles des enfants, mais à ce moment-là, il y a déjà un an, un peu plus peut-être, on commence à avoir des problèmes aussi à l'université. Ça veut dire qu'on a eu déjà dans différents états du Brésil des professeurs qui ont été dénoncés et ont besoin de répondre à la justice. Pour qu'ils insistent à donner des cours de genre, parler sur genre, sur sexualité. À ce moment-là, on a deux mouvements, qui sont deux mouvements de droite, et qui sont un peu dangereux, c'est Escola Sem Partido et aussi Mouvement Brasil Livre, ça veut dire Mouvement Brésil Libre. Bon, ça veut dire, c'est sûrement une autre compréhension de liberté. Alors, ce sont deux mouvements de droite. Et qui ont une. Et qui veulent avoir des interventions, faire des interventions au plan de l'éducation. Bon, je vais parler très vite un peu sur les droits sexuels reproductifs au Brésil. Même si la situation est très difficile, je vais donner une bonne nouvelle. On a eu cette semaine, la Cour suprême a approuvé les droits de personnes trans. De changer les noms, leur nom, leur prénom et leur sexe sans avoir besoin d'aller à la justice et sans avoir besoin de faire la chirurgie. On est très content pour ça.
même si ça vient de la Cour suprême. On a un pouvoir législatif au Brésil très très conservateur, alors tout le droit qu'on a conquis ces dernières années ont passé par la Cour suprême. Par exemple, en 2011-2013, on a eu la reconnaissance du couple de même sexe comme tous les couples. Et en 2013, le Conseil national de justice a obligé la conversion de l'union civile en mariage pour tous les gens, pour tous les couples que voulaient le faire. Alors, même si c'était possible par la Cour suprême, de toute façon, c'était un droit. Bon, sur le droit reproductif, ici au Brésil, soit un couple hétéro, soit un couple des femmes, soit un couple des hommes, soit une femme, soit un homme, tous, on a les droits d'avoir la PMA. C'est vrai que c'est très cher et on n'a pas le PMA dans le service public. Alors c'est une partie de la population qui peut y accéder, mais de toute façon, on n'a aucune production à cause du sexe, du genre, du genre. Alors aussi la GPA, c'est possible pour un couple de femmes, un couple d'hommes, c'est tout possible. Bon, sur l'avortement, là, on a l'avortement seulement dans 3 cas. Ça veut dire viol, risque de santé pour la mère ou pour des enfants anencéphales. Et on a un risque énorme de tout perdre parce que la droite a proposé un statut de fœtus et un statut de la famille. Et le statut de la famille ne considère pas les décisions de 2011, de 2013 et comprend la famille comme un homme, une femme et ses enfants. Bon, alors on a ces risques-là, on fait attention. Mais pour l'instant, on a encore une compréhension plus large de famille. On a eu, 2014-2015, un grand débat autour de plans d'éducation dans 3 niveaux, national, des États et des villes, et la décision, partout, a été d'enlever le mot « genre » du document. Et alors, ça veut dire que l'on interdit maintenant de parler sur le genre, sur la sexualité avec des enfants. Alors, on est à ce moment-là dans une situation un peu difficile. Même si on continue à le faire. Et sérieux, à ce moment, on a une intervention militaire, ça veut dire que l'armée est dans la rue. Après une énorme crise de l'État, ce n'est pas encore fini, mais aujourd'hui c'est un peu mieux que l'année dernière, et j'espère que ça va complètement passer, je ne sais pas quand. Mais tout ça contribue pour cette situation de peur, cette situation de... Au nom de la sécurité, ils enlèvent les droits des citoyens et surtout le droit sexuel et reproductif. Alors bon, voilà, c'est pas un bon moment, mais quand même, on a quelques décisions de la Cour suprême qui nous donnent d'espoir, même si on sait bien que ça peut être aussi pour donner l'impression que c'est qu'ils ne sont pas du tout pour le coup d'État, pour le gouvernement. Mais bon, on attend. Voilà, de quelques mots sur la situation brésilienne. Et j'espère que vous avez une très bonne journée de travail.